sommes-nous? Qui nous a? Qui nous mène? Vautour, fatalité, tiens-tu la race humaine? Ô parler, cieux vermeils, l'âme sans fond tient-elle aux étoiles sans nombre? Chaque rayon d'en haut est-il un fil de l'ombre, liant l'homme au soleil? Est-ce qu'en nos esprits que l'ombre a pour repère, nous allons voir entrer les songes de nos pères? Destin, lugubre assaut, ô vivant, serions-nous l'objet d'une dispute? L'un veut-il notre gloire et l'autre notre chute? Combien sont-ils là-haut? Jadis, au fond du ciel, aux yeux du mage sombre, deux joueurs effrayants apparaissaient dans l'ombre. Qui craindre? Qui prier? Les manés frissonnant, les pâles zoroastres, voyez de grandes mains qui déplaçaient les astres sur le noir échiquier. Songe horrible, le bien, le mal, de cette voûte pendent-ils sur nos fronts? Dieu, tire-moi du doute. Ô sphinx, dis-moi le mot. Cet affreux rêve pèse à nos yeux qui sommeillent. Noir vivant, heureux ceux qui tout à coup s'éveillent et meurent en sursaut.
Thank you.
Bonsoir le Théâtre Sylvain, quel bonheur d'être là ce soir parmi vous. Et la première chanson que vous avez entendue ce soir est une composition qui date du 11e siècle, une très vieille complète arménienne. Quant au deuxième titre, c'est la fusion de trois styles musicaux. Et tout d'abord le jazz au piano avec David Ohanessian. Pour la musique traditionnelle arménienne, avec le doudouk, le cheville et d'innombrables instruments de musique arménienne, Michael Vélian. Au chant et au chant lyrique, la merveilleuse Marianne Néry. Notre merveilleux, notre ami Franco Anissian, grâce à qui nous sommes là ce soir, conteur, chanteur, notre grand bonheur, notre guide. Merci, bonne soirée. Charles Aznavour disait que pour faire une belle chanson, il faut d'abord un beau texte. La chanson qui va suivre a un texte très poignant, surtout malheureusement au regard de l'histoire et encore plus malheureusement au regard de l'actualité. Nous souhaitons donc dédier l'œuvre qui va suivre à toutes les personnes qui souffrent à travers le monde.